Bonjour, je m'appelle Nasila, j'ai 27 ans, j'habite à Mayotte. Je suis apprentie chez Touche du Bois. Je suis en formation à la CCI Pôle Formation Mayotte dans le domaine vendeuse. J'ai une semaine de formation et puis 3 semaines en entreprise. Je suis vendeuse et j'aide aussi à l'atelier pour la fabrication. Nam Karib, bienvenue dans l'atelier Touche du Bois. Je vais vous partager des différentes machines et de bois que nous utilisons pour la fabrication des objets en bois. J'ai déjà réalisé la gravure sur stylo. Je fais les dessins sur nos tableaux et les porte-clés aussi. Être à l'atelier et vendeuse, ça me permet de connaître mes produits et de pouvoir raconter à mes clients comment les produits ont été réalisés. Chaque mois, je participe à des marchés et des expositions pour la vente. L'alternance est ma deuxième chance de terminer mes études. Aujourd'hui, elle m'a permis de retrouver un travail. Grâce au conseil de ma tutrice, j'ai repris ma formation de vendeuse en alternance à la CCI Pôle Formation Mayotte. Mes tâches de vendeuse chez Touche du Bois sont multiples. L'animation de stands dans différents marchés et événements dans l'île. J'occupe l'accueil téléphonique, je conseille les clients, je gère la gestion des réseaux sociaux et des rendez-vous à l'atelier. Grâce à ma formation, en améliorant mes compétences, j'ai pu vaincre ma timidité, maîtriser mon stress. Au cours de cette formation, j'ai découvert toutes les facettes du métier de vendeuse. L'alternance est une opportunité importante pour découvrir de nouveaux métiers et améliorer ses compétences. Marhaba mengito ujama. Merci beaucoup.